si la guerre s'était terminée autrement, que la victoire ait été de notre côté, croyez-vous que j'aurais regretté? Je n'ai pas à rougir. Nous n'avons pas, les uns et les autres, ce que nous avons fait à titre personnel et à titre collectif. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas indignes, mais si les autres le pensent, le principal est que le regard que l'on porte sur ceux qui étaient avec nous hier, de pouvoir dire « c'était des gens bien et je les admire ». Vous avez ces maisons qui brûlent. Les pans de murs, les maisons qui s'écroulent, les immeubles qui s'écroulent. Alors, la fumée des incendies, la poussière qui se dégage des murs qui s'écroulent, par moments, c'est totalement irrespirable. Nous ne savions pratiquement même plus où nous étions. On ne faisait même plus la différence entre le jour et la nuit. Il y avait parfois des accalmies dans les bombardements. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Au milieu des accalmies, nous entendions les hurlements des femmes. C'était atroce. C'était exactement comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Il n'y avait plus rien. C'était le saut dans le néant. Il n'y avait plus d'espoir. Rien, rien. C'était le néant total. L'écrasement complet. Nous n'étions plus rien. Ce n'était même pas question. Finalement, la vie n'avait plus de sens. Quand la vie n'a plus de sens, on ne tient plus, même plus à la vie. Wir dachten, wir nicht gar nicht am Tod. Gar nicht. Nur kämpfen. Weiter kämpfen. Wir lebten, kämpften nur und kämpfen. Plus tôt.